Yo, ça va? Ça va. Bon, aujourd'hui, 7h du mat', réveil compliqué, mais c'est pour la bonne cause parce qu'on va au Yosemite Park, qui est un des parcs les plus connus des États-Unis. Et j'ai hâte de découvrir tout ça. On y va? Alors on vient juste de prendre les billets et perso je trouve pas ça si cher parce qu'on a payé 30$ pour le véhicule et il y a même des passes à 80$ pour visiter tous les parcs des États-Unis pendant un an. Bon, je vous avoue que je suis un petit peu étonné parce que quand on parle de grands parcs américains, moi je m'attends à galérer, à marcher des heures pour aller à des spots intéressants, mais en réalité on est juste à côté. Déjà totalement malade. Pour avoir un ordre d'idée, la cascade tout là-bas fait plus de 100 mètres. Je peux vous dire que c'est déjà mais totalement ouf. Je crois qu'il n'y a pas trop le choix. On y va ? Ah, c'était ça, la toute petite cascade qu'on voyait. Ça va. Voilà. Petite douche gratuite. Je suis totalement à l'aise. Mes chaussettes, mais j'en peux plus quoi. Tu vas écouter le bruit de mes pieds. Alors autant tout à l'heure il y avait grave de monde à Tunnel View, autant là, c'est pour nous. Là on arrive au Yosemite Falls, c'est trois chutes d'eau qui forment la sixième plus haute cascade du monde qui fait 740 mètres de hauteur. Alors à Yosemite, il y a quand même 4 saisons totalement différentes, mais perso, je vous conseille le printemps pour ceux qui veulent voir les cascades notamment parce que c'est à cette période-là que la neige est en train de fondre. Alors petit fun fact, ce qu'on a devant nous, c'est le fond d'écran des Macs. Bon, j'avoue, sur ce premier vlog, j'ai un petit peu abusé des... Totalement ouf. Totalement malade. Abusé. Mais en même temps, j'étais pas le seul. Oh, c'est trop beau. Et même les routes, elles sont trop cool. Hein. Mais tout ça, c'est surtout parce que Yosemite, c'est un lieu extraordinaire où on se sent tout petit. Surtout ça. Je t'ai entendu. Bref, j'espère que ce premier vlog vous a plu. Ça a été beaucoup de travail, donc s'il vous plaît, donnez-moi vos avis, commentaires pour que je m'améliore avec Sarah pour les prochaines fois.
Et surtout, n'oubliez pas de voyager.